Oh, le Démogorgon! Ah, il nous a tous manqué, le Démogorgon. Oh. Bon, il est en train de racler les bords de plusieurs survivants, mais c'est pas de raison. Dis-moi qu'il y a un petit totem, là. Sans déconner, j'ai pas vu un totem. Dis-moi qu'il y a... Ah, il a cassé... Mais pourquoi t'as cassé ça? Mais pourquoi il a cassé ça? Ah, et parce que c'était totalement fermé? Ah non, c'était... Ah non, c'était ouvert! Ah, je l'avais pas vu, cette config... Il a cassé ou c'est ouvert? Bizarre. J'ai pas vu cette config. Ok. Mais ils sont en train de se prendre une déculottée, les autres! C'est leur cellule. Voilà, très bien. Je pense qu'il va aller courir sur les autres. Ouais, ouais, y a pas d'enseignement. C'est déjà ouvert. Bah, après, je sais plus trop avec la mise à jour qu'ils ont faite. Dans quelle mesure les palettes ou les planches sont totalement détruites. Je sais pas dans quelle mesure. On a un hook et zéro... Je vais quand même me mettre là. Hein. Ça m'inquiète un peu. Hein. Des fois qu'il est réparateur, c'est possible. Je pense qu'il a posé de quoi se TP là-bas. Faut que je fasse au moins ce moteur. Ok, il campe un peu, j'ai l'impression. Il va voir que tu es en forme. Je suis toujours en forme, moi. C'est le drame de l'univers. Oh là là. Et là-bas en face... Ah non, il va tenter... Il a tenté les 4%, très bien. On est déjà à 3 hooks, mais non, mais l'autre, il a tenté les 4%. Et je me casse. Oh, ils ont perdu la palette. Je me casse. Ils ont pété la... La gold palette. Des chances à ce qu'il est posé. Faut qu'on revenir, c'est le cas. Allez, mène, mène. Viens, viens, viens dans l'aura. Allez, viens, 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 viens. Arrête de bouger, bougeuse. Voilà. On va faire le moteur. Ça va, mais on va avoir 4 hooks. En 2-2-5-5. La partie elle est mal barrée là. Je vais mettre là, de toute façon il va continuer sa chase. Il va pas s'arrêter pour moi. Hein. Non! Aïe! Nul! Hein? Ok. Voilà. C'est le VX. Quoi, le truc de totem béni qui devient bleu. Alors, c'est un nouveau gameplay, le totem béni. C'est ce qu'on appelle aussi le boon totem dans le langage jargon de DBD. C'est un nouveau gameplay qui est vraiment récent. C'est un gameplay qui est vraiment récent. C'est une compétence que tu peux voir dans mes perks en bas à droite et à droite. Une fois que tu bénis, tu as deux types d'actions vis-à-vis d'un totem. Si le totem... Trois actions maintenant, pardon. Si le totem est de nacre, donc en eau, c'est normal, tout va bien, eh bien, tu peux le purifier. Le purifier veut dire quoi? C'est que tu le détruis définitivement. Tu as que 5 totems dans la partie. Donc, en le détruisant, tu empêches toute interaction avec le totem. Tu as une deuxième interaction. Deuxième interaction... qui est
La bénédiction. C'est ça, le nouveau gameplay. Et le nouveau gameplay, c'est quoi? C'est lié à une compétence. Tu poses une sorte de zone Nora avec un effet. Soit de soin, comme j'ai là, soit de dissimulation. Ce que j'ai là aussi, qui est en bas. Qui fait quoi? Qui fait que si dans la zone... si tu es dans la zone et que le tueur a une compétence de détection d'aura, eh bien, il ne te voit pas si, par exemple, il a chili barbecue. Ou encore, quand tu te mets à courir, eh bien, quand tu te mets à courir, tu ne lâches pas, tu ne lâches plus d'éraflure, de traces d'éraflure, ce qui limite la course-poursuite, ce qui est très intéressant. Donc, c'est un nouveau gameplay. C'est vraiment un nouveau gameplay. C'est un gameplay de bénédiction et qui apporte du bonus, oui, aux survivants, à la team des survivants. Ce qui est vraiment très bien. Ce qui est vraiment très bien. Donc, ça, c'est la deuxième interaction. La troisième interaction, c'est dans la mesure où tu as un totem qui est ensorcelé, donc avec une flamme dessus. Et ce qui veut dire que tu as une compétence active chez le tueur, eh bien, tu peux détruire cette compétence en détruisant ce totem. On peut ajouter qu'il y a une perque qui permet de réactiver. Une fois, oui, absolument. C'est une perque de tueur qui fait que tu peux réactiver, mais je suis pas sûr que ce soit tu le redonnes forme ou c'est vraiment juste... Je l'ai pas étudié cette compétence. Tu viens. Allez, tu viens. Ah, trop court. Aïe, aïe! J'aurais dû. Wow! Je reste pas là. Ah, une palette, là. Allez, fais-y. Je l'ai tenu. Et on va faire un dernier moteur. Oula. J'ai fait les trois moteurs au milieu, qui a totalement cassé la dynamique et obligé le tueur à s'éloigner. D'ailleurs, je vais m'éloigner moi-même. Ok, viens. Allez, il va finir un... Avec un body block, ça serait passé. Non, ça serait pas passé avec un body block. Ah si. Quel dommage. Bon, on finit un moteur. Alors peut-être qu'il y a Noël. C'est pas. C'est le tueur du démo de Gorgon, donc lié au DLC de la licence Stranger Things. Donc c'est le tueur, c'est un genre d'alien. C'est une créature qui vient de cette série. Bah, ils ont perdu, Behavior a perdu la licence, l'exploitation, donc tu peux plus l'acheter cette créature. Mais c'est une créature qui vient de cette AI. J'espère que tu as ce que je pense que tu as. Tu ne l'as pas, et il va revenir ici. Propre. Très propre. Il était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Très très propre. Franchement, très très propre. Sacrifice de la Claudette. Je sais pas s'il y a gardien de sang. Je sais pas du tout. J'ai pas l'impression parce qu'il l'aurait ramassé tout de suite. Mais giga propre ce qu'il a fait. C'est gros respect. Après, des chances à ce que je m'en serais sorti, peut-être même. Oh. Peut-être même qu'il imaginait que j'avais... Bon time, hein.
Aïe. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe là? Ok, viens, viens, viens. Allez, viens, 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 viens. Ok. Je pense là, c'est épique. Cette fin, elle est épique. Ouais, de toute façon, il y a... Ouais, j'ai bien fait de pas rester là-bas. J'ai bien fait de pas rester là-bas parce que... C'était la porte de sortie. Il m'aurait vu. Merci Debbie pour le raid. Ça s'est bien passé ton live. Allez, rentre dans l'aura terreur, rentre dans l'aura terreur, rentre dans l'aura terreur. Cette fin, cette fin, cette fin, cette fin. Ok, bon, il n'y a pas... Y'a pas du tout casin de sang. Ok. Parfait. Oh. Eh ben quelle fin, dis donc. Bah ça c'était pas mal. Ça c'est pas mal, abonne-toi bien sûr. Active la notification sur la chaîne Twitch ou YouTube. Oh. Na 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 na. Oui oui bah trépare maintenant. C'est fou ça. Oh non. N'arrête trépare. Tout va bien. En plus il va venir ici. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Bon déjà elle tunnel pas, elle campe pas déjà, déjà. Déjà ça c'est agréable. On va avoir deux moteurs. 3, 2, merci beaucoup, génial. Merci beaucoup d'avoir aidé. Hein. Ça fait plaisir. Ok. Faudrait qu'il y ait un autre totem là. Oh, aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas beaucoup bien, cette... partie. Ah, oh. Le petit totem béni de... Attends, 3 hooks, quoi, avec genre... Je suis... Oh, je comprends pas. Moi, je suis le seul à faire un moteur. Je ne comprends pas. Bon, je vais l'aider, mais... Mais quand même, hein. Mais diantre, je dirais même fichtre. Mais... Pourquoi? Pourquoi vous tombez tous? Pourquoi il n'y a pas d'autres moteurs à part moi? C'est Atlas. Totalement, totalement. Du bien, non, il me faudrait genre un parchemin. T'as vu ma chemise, non?
Tiens. Super. Génial. Oh! Mais attendez, c'est fou ce qui se passe dans cette game. Unbelievable. T'as pas... Non, bah non. C'est quand même fou, hein. De sacrés rebondissements. Si je m'attendais à ça... T'es quand même dingo, hein. On a eu un deuxième moteur, c'est... Non, je... Moi, là-bas, j'étais pas venu sur cette partie pour ça. Là-bas, j'étais venu pour cette partie pour... faire... soigner des gens. Trouver un totem. Mais... Bah attends, mais faire... Faire des moteurs. Oh, mais pourquoi l'autre? Ne me spoilez pas la fin de la partie, hein. Viens! Obi-Wan Kenobi! Non! Laisse-la! Ah non! Oh voilà, j'espère que... Quelqu'un va l'aider? Non, elle va pas le ramasser. Si oui. Ramasse-moi moi! C'est fou ça. J'ai tout fait, j'ai tout donné. Franchement, j'ai tout donné. Hein. J'ai essayé. T'as tout donné, c'était pas non plus la chase du siècle, mais... Non, moi, j'ai essayé de la sauver. Hein. Je pense que si j'avais mieux maîtrisé la chase par-dessus la palette, je pense qu'on aurait pu la sauver. Hein. Est-ce qu'on aura le temps? Je pense pas qu'on aura le temps. Hein. Si elle a chili barbecue... C'est plié à sa faveur. Si elle a chili barbecue et en plus le tour est joué, ça va partir en queue de billard. Ce qui ne veut rien dire niveau expression. Soyons francs deux secondes. Voilà. Et je vais les sauver en cassant en chase. En espérant que la Meg. La sauver, c'est pas du bon sens. Toi qui faisais un oui de la tête. Impossible. Au secours. Mordé d'arde! Au saumon! Y'a pas de nouvelle, bonne nouvelle. Bah franchement, vous faites tout... Ah, je dois traverser. Oula. Franchement, bon time. Bah alors.
Non, fais pas ça. Ah non, 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 fais pas ça, fais pas ça. Merci, c'est ça, Stris. Merci beaucoup pour les 43 mois. Fais pas ça. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Ah, combien de temps elle va durer? Ah, qu'elle a vraiment campé ici. Ah, elle a perdu son mental. Elle a perdu son mental. Elle a totalement perdu le mental. Et ils sont deux. Ils sont deux, hein. J'ai sauvé la vie, hein. Je t'ai sauvé les miches. Je t'ai sauvé la vie. Je t'ai sauvé les deux. Non. Bah comment c'est bien géré, hein. Je pense que c'est très très bien géré. Ah, il lui donnait ma... il lui donnait la vie, en fait. Après, c'est l'objectif du camp, et il y a de fortes chances à ce qu'il y ait gardien de sang, hein. On va voir dans deux secondes. Qui a paru de l'autre côté, qui a tiré l'attention du tueur. La trappe, on s'est tourné comme ça, et il a dit « Oh, je vais choper la trappe avant que tu l'aies !» Et moi, je suis là « Ah oui, bah, prends la trappe !» Moi, je sors par la porte d'entrée, du coup, mais ok. Genre... Abonne-toi si tu veux plus de trappe. Genre... C'est pour ça qu'on s'est tous les deux tournés comme ça, en mode « Mais... Quoi ?»